Et bonjour tout le monde et bienvenue sur des jeux en solo. Alors euh, oui, je fais encore une petite vidéo hein. euh, comme j'ai dit ben je fais des choses quand j'en ai envie. Voilà pour qu'elle soit surtout bien faite et ben là, j'avais très envie de faire une vidéo sur ce jeu puisqu'il m'a énormément plu sur euh, ben que ce soit le matériel ou le jeu en lui-même. Donc j'avais envie de vous montrer un peu euh, bah, comment il se jouait. Hein. Je vais vous montrer une partie, hein. c'est plutôt rapide. Et euh, voilà, comme ça, s'il y en a qui veulent le prendre, il n'y a pas de souci. Alors ce jeu, comme vous le voyez, c'est sur les traces de Darwin. Alors c'est un peu la mode en ce moment des Darwin, parce qu'entre Encyclopédia, celui-là et Darwin Journée, euh, ouais, ouais, ouais. c'est un peu la mode. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Suivez les traces de Darwin et embarquez sur le Beagle. Nous sommes en 1856 et pour mener à terme la rédaction de l'origine des espèces, Darwin a besoin de vous. Vingt ans après son voyage autour du monde, il désire récolter de nouvelles informations sur la vie animale, notamment à propos des continents qu'il n'a pas ou peu visités, comme l'Amérique du Nord, l'Asie et une partie de l'Afrique. Trop âgé et occupé par sa famille et ses travaux, il vous confie cette tâche. Ses confrères de la Royal Society de Londres lui ayant dit tout le bien qu'ils pensaient de vous, qui de mieux que de jeunes naturalistes avides de découvertes pour aider l'illustre savant à terminer la rédaction de son œuvre la plus célèbre. Alors, comme vous l'aurez compris, on va aider Darwin dans ses travaux, puisque lui, il est monsieur et trop occupé. Donc, on va jouer les naturalistes et on va voyager sur le Beagle et essayer de récolter un maximum d'informations sur les animaux qu'on va trouver sur les différents continents. Donc euh, au cours de ce voyage on va étudier les animaux, on va effectuer des relevés cartographiques, on va rédiger des publications et on va vérifier nos théories. Et bien sûr, le but étant de marquer le plus de points de victoire par rapport aux adversaires, pour savoir eh ben, qui d'entre vous aura le plus aidé Darwin à rédiger l'origine des espèces. Donc moi quand je joue en solo, je vais, vous montrer. Alors, je vais vous montrer comment se joue le jeu, mais moi je le joue exactement de la même façon, enfin pour le moment, je le joue de la même façon que le solo, et je me fais juste euh, bah, un, un battre son propre score, hein, tout simplement. Je compte mes points, et après à chaque fois, bah, je rejoue, je rejoue, et puis j'essaie de, de faire mieux. Voilà. Alors, question matérielle. Comme vous voyez, on a un plateau joueur ici. Alors je reviens pas trop en détail dessus, j'avais fait une vidéo sur le, sur le déballage. Donc on a notre petit carnet de voyage, vous voyez ici, donc là j'ai pris le tigre, vous avez différents, différents animaux, voilà, en fonction de ce que vous avez envie de prendre. Les illustrations, c'est simplement les illustrations qui changent, voilà sur ce plateau, vous allez avoir différentes cases. donc, c'est euh, ici que vous allez placer les tuiles que vous allez récupérer en fonction du, de l'écosystème. donc, là, c'est l'asie. et en fonction de l'espèce, ici, vous allez le placer à l'endroit correspondant. ici. Ensuite euh, sur votre gauche ici vous allez pouvoir euh, récupérer aussi des, des personnes que, euh, bah, qui travaillent, enfin qui voyagent aussi avec, euh, avec nous. Il euh, y a le capitaine, y a, euh, un, un, je crois qu il y a un naturaliste, je ne sais plus bien les noms, euh, les, les différents, enfin voilà, les, les personnes en tout cas qui font partie de l'expédition. Donc ils peuvent vous rapporter des bonus, alors ça peut être différents bonus, on y reviendra euh, après. En bas ici. Là, vous avez le jeton guide. Alors, vous en avez plusieurs. Alors, le, tous les jetons sont alors, ça prend pas de place. Hein, vous voyez, c'est génial en plus. Euh, les jetons sont tous placés sur le plateau principal. Alors, euh, quand on joue euh, toute seule, j'ai pas. Je, je préfère ranger les, les jetons dont je n'ai pas besoin. Sachant que vous voyez, vous avez deux emplacements, vous ne pouvez pas en avoir plus, donc c'est pour ça que j'en ai deux. En début de partie, on commence avec un jeton. Ces jetons guides vont vous servir pour, euh, ben, pour vous aider, c'est un bonus, vous allez pouvoir faire une action qui va, euh, va peut-être vous aider. Euh, à choisir la tuile que vous souhaitez. Donc il suffira de défausser ce jeton guide pour pouvoir soit déplacer le beagle euh, d'une case avant ou arrière, ou alors défausser trois tuiles et les remplacer et ensuite vous jouez. Voilà, ça c'est avant de faire votre action. Donc ça c'est bien si euh, bah, le, le bateau s'est arrêté euh, sur une colonne qui ne vous intéresse pas et que vous aurez aimé euh, prendre une tuile à côté, bah, vous pouvez défausser votre jeton pour le déplacer euh, d'une case et euh, pouvoir récupérer la tuile que vous souhaitez. Donc ça voilà. Ça c'est plutôt sympa. Ensuite en bas vous avez un emplacement pour les boussoles. Alors hop, les boussoles à sont placées sur le plateau principal ici. Alors c'est pareil, j'ai mis uniquement le nombre puisque on ne peut avoir que 5 boussoles au maximum. Ces boussoles vont être utiles. Alors euh, ouais, c'est euh, vont être utiles pour euh, surtout pour marquer des points en fin de partie, si c'est votre façon de jouer. Comme j'ai dit, il y a plusieurs façons de, de marquer des points et, et de choisir votre, votre chemin. Euh, les boussoles à la fin, plus vous en avez mieux, ça sera puisque vous allez les multiplier avec la, le symbole ici de la cartographie. Hop, donc ils sont sur les tuiles ici. Hop, voilà. Donc, si à la fin de la partie vous avez une tuile euh, avec cette icône face visible, parce que vous allez voir qu'on peut empiler les tuiles, euh, vous allez multiplier donc cette icône par le nombre de boussoles et ça vous donnera euh, ça vous donnera vos points de victoire ensuite ici vous avez un emplacement pour les tuiles théorie. voilà vous allez essayer de ben de, 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 de de chercher une théorie sur le nombre alors c'est varié hein. euh, par exemple là celle que j'ai piochée c'est sur le nombre de mammifères que je vais trouver voilà donc c'est des tuiles objectifs hein, tout simplement euh, donc, ils vont vous rapporter des points. Voilà le symbole pour les, les points de victoire ici. Donc, par exemple, celle-ci, ça sera un point de victoire par tuile euh, mammifère. En ah, sachant que toutes les tuiles qui vont être recouvertes par d'autres tuiles vont compter. On y reviendra aussi plus en détail. Par la suite, donc vous voyez sur le plateau principal, vous en avez plusieurs. Alors, pareil, j'ai pas sorti toutes les tuiles. Vous en avez un, un bon petit paquet, donc ça permet un bon euh, un bon mélange. Après, bien sûr, il y a des tuiles sans plusieurs exemplaires, mais voilà, ça permet de, de renouveler un petit peu. Vous en avez trois faces visibles. Oui, vous allez voir comment vous allez pouvoir récupérer des... vous justement euh, cette tuiles théorique que vous allez pouvoir placer sur votre plateau, sachant que vous pouvez en avoir que 6. Si vous en prenez une autre, il va falloir vous débarrasser d'une tuile que vous avez. Donc, ça, ça peut être bien parce que si vous voyez qu'en cours de partie, il y a un objectif que vous n'arrivez pas à faire, vous pouvez le défausser pour remplacer par un autre. Donc, ça, c'est un truc à penser. Voilà, donc ça pour le plateau. Ah oui, j'ai oublié ici, on a l'emplacement pour les publications. Les pub publications, par contre, qu'est-ce que c'est C'est lorsque vous allez réussir à faire des lignes ou des colonnes. À chaque fois que vous allez remplir une ligne ou une colonne, vous allez récupérer un petit jeton comme ceci, hop, qui va vous rapporter 5 points en fin de partie. Alors attention, vous pouvez en avoir que un. Pour la même ligne, par exemple, si vous recouvrez déjà cette ligne une fois, donc vous prenez le jeton, mais si vous reposez des tuiles dessus et que ça refait encore une ligne, vous ne prenez pas de jeton. Voilà. On, vous, on publie que pour chaque chaque ligne et chaque colonne une fois. Et après, vous pouvez en avoir autant que autant qu'il y a de, de lignes et tout. Euh, voilà pour votre plateau joueur. Pour le plateau principal qui regroupe, et c'est pour ça que ça prend pas de place parce que tout est posé sur le, le plateau principal, donc on a tout, toutes les réserves en fait. Voilà des jetons. Et maintenant, le plus important, ça va être ici. Vous allez avoir donc, bah c est, c est, ça représente en fait les, les différents continents. Vous voyez que vous avez le beagle, donc voilà, ouais. Vous avez le, le beagle qui va voyager. Donc, il commence ici. Hein, il y a un petit symbole. Et vous voyez, il y a des flèches. Donc, il va faire le tour comme ceci. Et donc, c'est tout simple. À chaque tour, vous allez devoir choisir une tuile à l'endroit où s'est arrêté le bateau. Donc, vous n'avez que trois choix. Alors, comme je vous ai dit un peu avant, si vous avez un jeton guide, ça, vous, ça peut vous permettre de déplacer le bateau d'une case avant ou d'une case arrière si toutefois il y avait une tuile qui vous intéressait ailleurs. Sinon, vous êtes obligé de prendre une tuile ici. Euh, ensuite, lorsque vous avez pris votre tuile, en fonction de l'emplacement pris, vous allez déplacer d'autant de cases le bateau. Voilà. Et vous allez enchaîner comme ceci les tours. Vous placez vos tuiles Ici, euh, vous, vous su surveillez les objectifs ici pour essayer de marquer des points. Vous avez 12 tours pour essayer de marquer un maximum de points. Ces 12 tours sont représentés par ces tuiles ici. Vous allez en piocher 12 et vous les posez à côté du plateau. Et c'est votre contour. Voilà, sachant que la dernière tuile que vous allez poser donne la fin de la partie. Vous ne jouez pas un autre tour. C'est décompose la dernière tuile sur le plateau. Euh, je vais vous montrer. Hop, voilà. Vous avez ici toutes les toutes les tuiles. Voilà, elles sont rangées ici et vous pouvez voir que il y a pas mal de tuiles. Donc ça permet un bon, un bon un bon renouvellement. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc ça peut ça renouvelle pas mal les parties. Et ça, c'est plutôt, plutôt intéressant. Moi j'aime bien les jeux où justement euh, voilà on, on retombe pas toujours sur les mêmes, sachant que il me semble, hein, euh, chaque tuile est unique. Voilà, c'est pas il y a un animal euh, unique. Je crois que j'ai tout dit sur le matériel et tout ce qu'on voit ici. Maintenant, on va rentrer plus en détail sur euh, comment se déroule un tour. Alors avant de commencer la partie, euh, petite étude d'une tuile. Alors ici, vous avez le nom de l'animal avec son nom scientifique, sa taille. En fond, vous avez son écosystème. Donc là, par exemple, l'Amérique. Et ici, nous avons son, sa classe, la classe de l'animal. Et tout en bas, donc l'illustration, bien sûr, et tout en bas, l'icône qui, euh, bah, qui est très importante pour le jeu. Il y a différents icônes. Vous voyez, alors ici, nous avons la carte parce que vous allez cartographier les lieux. Cette carte va vous être utile, donc j'en ai parlé un peu plus tôt. Ici en fin de partie, euh, mince, je montre je montre le doigt mais pardon <laughs> ici vous allez multiplier ce symbole par le nombre de boussoles que vous allez récupérer ici. Pour pouvoir avoir des boussoles il va vous falloir récupérer une tuile avec le symbole boussole. Voilà, donc les deux en fait vont ensemble. Donc ça, ça peut être une des stratégies. Essayer de récupérer les cinq, au moins cinq, c'est sûr, ça serait pas mal, les cinq boussoles, et d'avoir un, un, un maximum d'animaux avec la, euh, la carte ici, pour pouvoir marquer un maximum de points. Ça peut être une façon de, de jouer. Ensuite, vous avez ici le symbole du personnage, je ne sais plus comment il l'appelle. Alors, oui, voilà, c'est un bonus lorsque vous, vous vous inspirez du personnage. Donc, en fait, là c'est pour gagner un jeton guide, Donc les, jetons, les petits jetons comme ceci. Voilà. Donc, dès que euh, alors bonus, alors bien sûr, ça c'est en fin de partie hein, la boussole que ça va être utilisé. Ce bonus là il va être à effet immédiat, c'est à dire dès que vous allez récupérer la tuile et la poser, vous allez prendre un jeton guide. Les jetons guides, j'en ai parlé un peu plus tôt. Ils sont, euh, les actions sont marquées ici. Ensuite, pour finir, bon, bah, tout simplement, on a des points de victoire. Voilà. Alors à savoir que euh, les tuiles points de victoire comme ceci, euh, les tuiles, euh, les tuiles comme ça de la carte, si elles sont recouvertes comme ceci, si vous voulez, euh, vous, vous les recouvrez, elles ne compteront pas de points. Voilà. Parce que le symbole, je n'ai l'ai pas mis dans mon sens, le symbole est caché. Donc, euh, là, les trois points, par exemple, si vous les cachez, vous ne les aurez pas. Tout ce qui compte, ça va être ce qui est visible. Les boussoles, ça, comme c'est un effet immédiat que vous allez récupérer tout de suite, le jeton, donc ça, vous pouvez le cacher. Et là, vous perdrez rien du tout. Donc, ça peut être aussi une tactique. Euh, si vous placez votre kangourou, par exemple, ici, que vous voulez récupérer un autre mammifère au même endroit euh, voilà vous pouvez le recourir ça euh, vous fera rien perdre ensuite ben là c'est pareil puisque ça ça va euh, se multiplier avec les boussoles donc si vous les cachez ça vous rapportera rien du tout ça c'est pareil c'est comme la boussole c'est à effet immédiat donc euh, une fois que vous avez récupéré le jeton si vous euh, vous mettez une autre dessus ça fera rien de plus voilà donc je pense que j'ai tout dit. Euh, après, de toute façon, si je pense à quelque chose, ça sera en, en cours de partie, bien évidemment. J'ai oublié un petit truc, mais bon, en solo, du coup, ça, ça ne c'est pas utile. Vous avez certaines tuiles avec cette petite couronne dorée. C'est un bonus, euh, c'est enfin, le symbole de l'animal emblématique. En fait, ça, c'est pour vous faire euh, récupérer le jeton de premier joueur. Et jetons premier joueur, comme dans la plupart des jeux, euh, d'ailleurs je vais vous le montrer, c'est lui. Voilà. Si vous l'avez en fin de partie, vous voyez, ça va vous faire gagner deux points. Et donc si vous récupérez une couronne, vous pouvez piquer le jeton premier joueur à un adversaire. Voilà. Donc en solo, bien sûr, euh, ça, euh, on ne le compte pas, puisqu'on est tout seul. <laughs> Toujours premier joueur. Enfin, en tout cas, pour moi, comment je le joue, bien sûr. Hein. Après, c'est un jeu, c'est... Qui est très facile à, à créer un, un automa, qui peut avoir son propre plateau, qui va récupérer des tuiles euh, en fonction ben, de ses préférences. On peut lancer un dé pour savoir combien il va avancer. Enfin, voilà. C'est très facile de, de créer même un adversaire. Pour le moment, je le joue euh, le plus simplement du monde. Et justement, comment on joue Alors, c'est simple. C'est vraiment un jeu familial. Ce n'est pas un jeu expert, bien sûr. C'est vraiment le jeu familial où tout le monde peut comprendre et, euh, et jouer. Voilà. Alors, donc là, la mise en place est faite, hein, complète. Donc, on peut commencer la partie. Alors, tout d'abord, moi, je fais comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'étudie d'abord euh, ma tuile. Ma tuile objectif ici. Moi, je vais appeler tuile objectif, c'est plus simple. Pour regarder ce qu'il demande. Et je regarde celles qui sont face visible. Sachant que. Euh... Ah oui, j'ai oublié un petit truc. C'est pour ça, mais en cours de partie, c'est pour, pour ça ça va me revenir. Lorsqu'on récupère une tuile ici, vous pouvez soit prendre une face visible ou alors piocher la première ici. Sachant que bien sûr, vous, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Voilà, donc euh, oui, le petit truc que j'ai oublié parce que c'est en cours de partie que ça se fait, donc du coup, je ai pas pensé. Pour pouvoir récupérer ces tuiles, euh, comment on fait Voilà, j'en suis sûre qu'il y a quelqu'un qui pose la question. Et bien, c'est tout simple, lorsque vous allez poser une deuxième tuile par-dessus une autre, vous allez récupérer un, un, un jeton objectif. Voilà, donc on va le voir en courte partie de toute façon. Donc là, déjà, mon objectif, euh, c'est d'avoir au moins un maximum de mammifères. Sachant qu'il n'y a pas de limite pour. Euh, pour euh, Empiler les animaux, hein. ça peut être, euh, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Euh, alors, les différents types d'objectifs de, de, que vous allez avoir, voilà, ça va être euh, les animaux, un maximum d'animaux euh, dans chaque catégorie. Donc, vous avez les oiseaux, les mammifères, les reptiles et on va dire les insectes. Ensuite, vous allez avoir des objectifs comme ceci. Vous allez marquer des points en fonction des, des, du nombre de tuiles que vous allez avoir dans ce coin-là. Donc vous voyez, c'est en bas à gauche, donc ça va être dans ce carré ici. Donc vous allez avoir bien sûr soit là, soit là, ou soit là. Euh, je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, vous pouvez avoir aussi, en fonction du nombre d'icônes comme ceci, visibles. Alors comme je vous ai dit, une fois que vous avez récupéré le jeton, vous pouvez cacher la tuile avec ce symbole. Mais si vous avez cet objectif... Voilà, vous aurez tout intérêt à ne pas cacher justement les tuiles avec ce symbole. Voilà. En fait, tout dépend de comment vous allez jouer et des objectifs que vous avez. Mais voilà, ils peuvent être utiles pour les objectifs, évidemment. Euh, là, les oiseaux, je crois que c'est tout. Ah oui, si, il y a ça aussi, je crois que c'est tout. Il n'y a pas trop de différence non plus. Vous pouvez gagner des points en fonction des euh, animaux que vous avez dans certains, enfin, sur certains continents. Voilà. Par exemple en Afrique, alors plus vous allez en mettre ici, plus vous allez marquer de points. Voilà, il me semble que c'est toutes les catégories. Donc bon là c'est en fonction du nombre de. ça se comprend plus facilement. Hein, le nombre d'icônes euh, avec la couronne visible. Ah si, oui. Le nombre aussi de tuiles que vous allez avoir ici, donc 6 au maximum. Donc déjà vous pouvez marquer 6 points. Euh, et après les pays, voilà. Donc vous voyez bon il y a beaucoup de bon, des objectifs euh, identiques mais euh, vous pouvez très bien bien sûr avoir le même euh, prendre la même tuile avec le même objectif voilà je pense que j'ai là cette fois-ci tout dit et on va faire une partie voilà si je crois que j'ai dit la publication au début oui okay. bon et eh ben on y va hein, on va commencer donc là moi maximum de mammifères là j'aurai des reptiles et ces deux-là, il va me falloir que je remplisse ici. Si je le souhaite, hein. ce n'est pas une obligation. Parce que là, pour le moment, elles ne sont pas acquises. Hein. Donc euh, Mais voilà. Ça me donne, on va dire, une direction. Et pareil, il faut regarder quand même les tuiles que vous avez ici. Parce que si vous n'avez, par exemple, là, si vous avez un objectif, il euh, faut avoir un maximum de euh, je sais pas d'animaux de, de, en Afrique. Bon, là, vous en avez deux. Mais des fois, vous n'en avez pas. Sachant qu'il n'y a pas énormément de, de tuiles, peut-être pas partir là-dessus au début. Enfin, vous, après, c'est à vous de voir, évidemment. Hein, ça, c'est plutôt subjectif. Alors, donc mammifère. On va essayer de partir sur du mammifère ou, ouais du reptile si je veux récupérer du reptile. Alors, vous voyez, vous avez l'icône ici qui rappelle pour pouvoir récupérer une tuile ici, vous devez empiler euh, une tuile sur une autre. Voilà. donc c'est bien, tout est vraiment marqué partout. Euh, c'est vraiment simple à comprendre, c'est vraiment nickel. Alors on y va, un mammifère, qu'est-ce que nous avons On a le panda ici, l'ocapi, le koala. Ouais, on en a pas mal. Et les reptiles, on a, on a celui-là, un, deux, trois. Ouais, c'est kiff kiff. Sachant que l'Afrique... Euh, ouais... Alors, sur quoi on va partir, sachant que alors, je regarde bien sûr dans l'ensemble, mais il ne faut pas oublier que vous prenez une tuile uniquement dans la euh, colonne où se trouve le bateau. Donc là, à ce moment-là, j'ai euh, le choix entre cet aigle impérial, donc un oiseau en Asie, un papillon en toujours en Asie, catégorie insecte, et une araignée en Afrique. Alors, euh, oiseau. Insecte là et insecte là. Mm -hmm. euh, allez, bon, bah, je vais prendre l'araignée. Hein. Pas... Normalement, ça va très vite, donc je vais essayer de ne pas être trop longue non plus. Ce qui peut prendre du temps, c'est la réflexion, bien sûr. Je vais partir sur cette araignée. Hein. Je ne vais pas trop montrer, s'il y en a qui craignent. Donc, vous placez l'araignée en fonction de sa classe ici et de son écosystème. Donc là, c'est un insecte. En Afrique, voilà. Ensuite, vous allez déplacer le bateau en fonction du, de, de l'endroit où vous avez pris la tuile. Ça veut dire que vous l'avez prise ici. C'est à trois cases du beagle, donc un, deux et trois. Voilà. Ouais, C'est tout bête. Hein et ensuite, vous, bien sûr, vous remplacez la tuile. Ensuite, eh ben on continue. On continue. Donc maintenant, j'ai euh, droit de prendre une tuile que Ici. Alors, donc là, l'araignée me donnera deux points en fin de partie. Là, j'ai des points aussi, je peux cartographier. Alors, j'ai pas encore de boussole. J'ai une boussole là-haut. Euh, il me faudrait des mammifères aussi. Alors, vous pouvez anticiper, hein, c'est pareil, ça fait partie de votre réflexion. Hein, donc ça, c'est subjectif, hein, c'est la façon dont vous voulez jouer. Vous pouvez anticiper, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez prendre le koala, vous savez qu'il est à trois cases 1, 2, 3, c'est dans ce sens qu'on compte. Donc le bateau, 1, 2, 3, il va se déplacer là et après vous allez choisir ici. Comme ça, vous pouvez voir à peu près au prochain tour ce que vous allez pouvoir avoir comme choix. Si vous prenez le koala, si vous prenez celui-là, 1, 2, ça sera là. Voilà, vous pouvez, il euh, faut regarder un peu plus loin. Sachant que là en plus, tout seul, vous savez que personne va vous prendre vos tuiles, mais faut pas oublier que 12 tours ça va extrêmement vite donc faut bien réfléchir à ce que vous allez prendre. Et je vais partir sur quoi là Parce qu'il me faut des mammifères, donc c'est vrai qu'on a toujours tendance souvent à s'éparpiller, c'est à ça veut dire que. Voilà, alors là il me demande des mammifères, donc je vais prendre des mammifères, mais il y en a qui me donnent des points, donc je vais prendre des points, même si ce n'est pas des mammifères. Euh, je vais essayer de prendre des boussoles. Euh, limite, il faudrait essayer de rester focus sur une stratégie. Par exemple, là il me faut des mammifères, donc je peux aller à fond sur les mammifères, par exemple. Voilà, il y a tellement de techniques, tellement de façons de, de jouer. Après, c'est à vous de, de voir comment vous voulez euh, marquer le plus de points. Donc moi je vais partir sur le koala pour le moment. Hop, joli koala, hein. c'est vrai en plus euh, la qualité déjà du matériel et les illustrations sont tellement agréables. Alors koala, koala pardon. Donc c'est Australie, c'est le mammifère. Donc il va aller ici. Donc trois cases. 1, 2, 3. Hop Une fourmi. Alors en même temps, c'est un jeu, je ne sais plus dans quel jeu sais, mais essayez aussi de faire des publications. Ah oui, ça je ne l'ai pas vu passer du coup là, mais euh, vous avez aussi une, un objectif d'avoir euh, un maximum de, de publications. Mais ça, voilà, c'est en fonction des objectifs. Hein, c'est surtout par rapport à ça qu'on marque des points. Donc euh, voilà. Mais après, vous pouvez faire des publications, sachant que ça rapporte quand même 5 points. C'est plutôt intéressant. Donc essayez, ouais, de, de finir des lignes. Alors, on a un ornique. Ici, papillons et, papillon et oiseaux. Euh... Alors, sachant que vous voyez, si je décide de prendre l'ornithorynque, c'est Australie, mammifère. Il va aller par-dessus mon koala. Alors, certes, ça pourrait me donner un autre objectif. Bon, là, on est au début, j'en ai pas trop, donc je sais pas trop comment où aller pour le moment, mais ça va me cacher mes deux points. Donc, ça, si c'est un risque à prendre. Parce que les deux points seront perdus, mais il faudra trouver d'autres points autrement. Sachant que, je ne sais pas si je l'ai dit, les... Alors pour tout, hein, Pour tous les objectifs, toutes les tuiles qui sont cachées comptent. Ça veut dire que si j'ai deux, euh, deux mammifères comme ceci, quand je vais compter mes points avec cet objectif, là, ça va compter deux mammifères, pas un, pas celui qui est visible. Donc c'est pour ça que c'est intéressant des fois de. Ouais, d'empiler d'empiler parce que vous savez que ça va marquer des points euh, donc du coup on va partir sur quoi <laughs> euh, deux, deux, deux. allez on va partir là dessus sur un joli papillon un atlas hop qui va aller ici donc il est au 2 1 2 faudrait que je récupère des boussoles. alors j'essaye aussi de, faire, euh, de prendre des boussoles en même temps parce que euh, des fois dans, dans le choix des animaux il y a toujours une icône euh, cartographie donc ça peut marquer euh, des petits points quand même en fin de partie donc euh, j'essaie de faire un peu les deux en même temps. Ensuite, oh ben oui, ici je vais prendre euh, ouais allez, je vais prendre mon panda, il est joli le panda. Hop, panda il va ici donc une case. Il avance de 1 ok donc là déjà j'ai deux mammifères euh, pour le moment j'ai rien d'autre parce que ces deux là si ces deux là ça ça comptera des points parce que là j'en ai un dans ce, dans ce coin et là j'en ai deux alors les mêmes sachant que les mammifères ils sont ici ouais alors j'aimerais avoir une boussole. Ouais. Je vais prendre le Geko. Geko ici. Hop. Il va aller ici. Voilà. Donc là, 2. 1, 2. Je remplace. Vous le faites dans l'ordre que vous souhaitez. Du hein. tout, c'est pas oublié. Pas se tromper. Donc là, j je gagne une boussole. Donc vous prenez la boussole et vous la mettez ici. Sachant que vous voyez, j'ai... Une icône cartographie ici donc à la en fin de partie je ferai ça multiplié par ça bon là ça fera que 1 mais voilà comment ça fonctionne ensuite euh, ouais les mammifères là, les mammifères ils sont que ici il y a beaucoup de cartographie aussi euh, ah, je sais ce que je vais faire, ça vous permet en plus de voir un peu les différentes choses. Je vais dépenser mon jeton guide ici pour faire l'action ici de déplacer le beagle. Donc là, je vais l'avancer d'une case. Donc ça, euh, les actions avec le jeton, vous le faites avant de récupérer la tuile. Parce que c'est un bonus, c'est un guide, hein, justement, il est là pour vous aider. Donc vous le faites avant et vous pouvez ensuite jouer donc là je voulais l'oiseau voilà je voulais l'aigle donc c'est pour ça que j'ai fait j'ai utilisé mon guide pour pouvoir finir une colonne ici donc là une je remets et là ça me fait gagner du coup je récupère un jeton guide et c'est pas fini j'ai fini une colonne ici donc je récupère une tuile publication qui me donnera cinq points en fin de partie Ensuite, donc là, c'est vrai que je commence un peu à remplir celui-là, donc il faudrait que j'aille récupérer ça. Mais, pour ça, mais pour ça, il va falloir que j'empile des tuiles. Du euh, coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Oui, je peux continuer. J'ai pas mal de reptiles, en fait. Je vais partir là-dessus. On va prendre celui-là. Hop. Et on va le mettre donc ici. Voilà. Donc deux. Hop. Euh, ouais, mais. Il me faut. Ben, je vais prendre le casoir ici. Hop. Il va aller ici. Alors on déplace de 1. Donc là, ce pas top parce que je n'ai pas récupéré encore de tuiles, donc ça ne va pas me faire beaucoup de points. Et il ne reste pas énormément. Il euh, faut que je récupère au moins celle-là. là. Donc euh, bah, du coup, je vais, on va faire comme ça. Tant pis pour mes deux points. Euh, ouais, je vais prendre l'ornithorynque ici. Donc il y a déjà le koala, donc je vais le placer dessus hein, en sachant bien que mes deux points sont perdus. Et ça, c'est à vous de voilà, de prendre des risques. Voilà. Euh, voilà, donc 2, 1, 2, je déplace, je remplace. Voilà. Et puis, quand vous avez recouvert une autre tuile, vous avez la possibilité de prendre une tuile ici. Et je vais prendre celle-ci qui va me marquer des points en fonction du nombre de tuiles que j'ai dans ce coin, donc ici. Donc, comme vous voyez, j'en ai déjà pas mal. Je pense que ça peut être intéressant. Et vous, bien sûr, vous remplacez par la prochaine. Donc ouais, ça va être bientôt fini, ça va très vite. 12 tours, c'est vraiment horrible. Il hein. faut vraiment euh, être focus sur euh, un truc et pas s'éparpiller. Alors ce que je pourrais faire, la girafe m'aurait bien euh, m'aurait bien plu pour continuer mes mammifères. Elle me donne deux points. Donc je vais défausser mon jeton guide pour reculer le Beagle et récupérer la girafe ici. Hop donc, 2, 1, 2. Les reptiles aussi. J'en ai, ah ai deux reptiles, ouais. Il me faudrait. J'ai qu'une boussole et j'ai 1, 2. J'ai deux cartographies. Hmm. Ah, bah si, je vais faire. Euh, je, non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Hop, Donc euh, là. Donc il a 3. 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. Dernier tour. Donc j'oublie pas de récupérer ma petite boussole. Dernier tour. Eh bien... Euh, et voilà, c'est chaud. J'ai pas de mammifères. Alors j'ai plus de jetons en plus. Là. Donc là j'ai... Voilà. Donc les mammifères, il n'y en a pas. Et reptiles, ça ne m'intéresse pas. Et dans ce coin, je ne peux rien mettre parce que je n'ai pas les bons écosystèmes. Donc là, voilà, ça ne va pas me rapporter des points par rapport à ça. C'est super. Est-ce que je peux finir une ligne Je n'ai pas d'insectes. Bleu. Un jaune non plus. Ah, c'est pète, il était là. Mais je ne peux pas me déplacer. Donc, euh, voilà. Donc là, du coup, on va prendre quoi On va prendre ce qui va me rapporter le plus de points c'est à dire le celui-là. Euh, ou alors ou alors je pourrais prendre l'oiseau parce que l'oiseau, il a une cartographie, ça m'en ferait une, deux, trois, deux fois, trois, six. Ou alors je prends les trois points de victoire. Euh, J'en ai quelques-uns. Euh, et là, ça sinon ça ferait quatre. Allez, bon, je vais prendre... Euh... Allez, bon. On va pas chipoter. Je vais prendre le reptile ici. Donc, je vais le placer sur l'autre. Donc, là, c'était une boussole. Donc, ça n'aurait pas bien été gênant. Voilà. Et... Ah, mais si, mais c'est bien d'avoir fait ça. Je suis bête. Parce que je recouvre une tuile. Je vais pouvoir récupérer un truc. Ah, bah tiens. C'est pas bête. Donc là j'ai pris 3, 1, 2, 3, je vais quand même avancer. Je mets la dernière tuile. Donc c'est ce qui met fin à la partie. Hein, quand vous mettez la dernière tuile. Vous, vous ne jouez pas à un autre tour. Hein. Là c'est fini. Donc là j'ai euh, recouvert une tuile. Donc je peux prendre une tuile objectif et je vais prendre celle-là. Voilà, celle pour les, euh, les reptiles. Et voilà, et la partie est finie. Donc vous voyez, c'est vraiment, euh, vraiment tout simple. Hein. Euh, voilà. si vous ne comprenez pas ça... Hein. Alors après, j'ai mon... Alors, bien sûr, on a notre petit bloc. Voilà. Donc, j'utilise toujours une première feuille pour faire au stylo, mais j'en garde toujours une pour la plastifier. Voilà. Donc, j'ai fait quelques parties, vous voyez, euh, à part là... La... Ah non, c'est derrière. Euh, ouais. Alors, comme ça, vous voyez un peu les points que j'ai. J'avais fait quand même ma toute première partie 45. <laughs> mais après, je tourne autour souvent des 30. Voilà. Donc, voilà comment, euh, comment on compte les points. Alors, je vais le mettre derrière pour ne pas, euh, pour pas euh, salir euh, voilà, d'autres papiers. Alors, là, bien sûr, vous avez votre nom. Ensuite, vous comptez le nombre de points de victoire visible. C'est pour ça qu'il y a un petit, un petit œil, vous voyez, ici. C'est pour bien montrer que c'est uniquement tout ce qui est visible. Hein. En dessous, ça ne compte pas. Donc, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là j'ai 12. Ensuite on doit compter les boussoles en fonction des cartes. Donc j'ai deux boussoles et j'ai un, deux et j'en ai que deux, donc ça me fait quatre. Ensuite ici vous comptez les publications, donc j'en ai une ici, cinq. Là vous comptez toutes vos tuiles ici, objectif. Alors ici on a donc les mammifères. J'en ai un, deux, trois, on n'oublie pas celui en tout. 4. Ensuite, ici, on compte le nombre de tuiles que, que l'on a dans le coin en haut à droite. Donc, ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et ensuite, les reptiles. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, ici, c'est si on a le jeton premier joueur. Donc, là, bien sûr, je ne le compte pas puisque je n'en ai pas besoin. Ou bon alors faudrait que je me mette 5 points. Euh, non, c'est combien 2 points. Je me mets 5 points. Je suis gentille, je me mets 5 points. Non, c'est 2 points. En plus, c'est marqué dessus. Euh, je peux les marquer directement aussi, j'aurais pu. Mais euh, ouais, j'y compte pas en général. Alors, 4, 5, 6. Alors, j'ai 34. 34. Vous voyez, ça tombe toujours autour des 30. Alors ce qui serait bien, c'est de pouvoir avoir un, un, un classement par rapport au point que l'on peut avoir. Parce que là, j'ai fait plusieurs parties. Alors, vous voyez, ça, ça va très vite. Bon, là, j'ai parlé en même temps, donc forcément, c'est un peu plus long, mais sinon, ça, ça, ça s'enchaîne très vite et on, re, on a toujours envie de refaire une partie parce qu'on a envie de faire encore mieux. Et vous voyez, je fais souvent le même chiffre. Alors, je suis allée jusqu'à 45, donc là, déjà, mon maximum, c'est 45. Mais ça serait bien qu'il y ait un classement pour voir combien on peut marquer quand même de maximum de points et pour pouvoir se comparer et voir si on est loin de du meilleur score ou pas. Voilà. Pour le moment, eh ben, euh, c'est juste, voilà, j'essaye de faire de battre mon propre score. Donc, voilà. Bon là je vais me baser sur le mon 45, puisque j'ai fait 45. Donc je le garderai, je garde la feuille, voilà. Bon. Et eh bien je crois que c'est tout hein, parce que y a, voilà, y a pas grand chose d'autre à dire sur cet excellent jeu, hyper agréable à jouer, il est très joli, très euh, très simple, vous voyez c'est vraiment pas compliqué, c'est à vous après de savoir où vous partez, dans quel sens vous partez, et surtout ne pas s'éparpiller. Euh, j'ai pas encore vraiment euh, focusé sur vraiment euh, un objectif. Des fois on a envie d'avoir plus plusieurs objectifs. Alors, ça dépend comment on avance. Si on voit que ça remplit plusieurs conditions, comme là voilà, euh, je voyais que j'avais rempli pas mal ce côté-là, donc j'ai récupéré celle-là. À la fin euh, voilà, j'avais des reptiles, je me suis dit autant en profiter. Voilà, quand ça peut, on peut faire un peu des combos, on va dire, des combos d'objectifs, voilà, donc c'est en fonction de, voilà, de ce que vous allez récupérer voilà que dire de plus et vous montrer plus c'est tout voilà c'est très simple et moi j'adore franchement j'adore 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 très beau très agréable rapide prend pas de place euh, facile à comprendre euh, et, et on a envie de, de recommencer sans arrêt sans arrêt sans arrêt pour essayer de faire toujours mieux et puis c'est un jeu qui est agréable euh, au niveau du matériel et du gameplay que euh, ben voilà c'est ce qui donne envie de recommencer en plus c'est court quand c'est des jeux qui sont bien mais longs, ben, on n'a pas toujours envie de recommencer après. Mais là, là, franchement, hier, j'en ai fait plusieurs parce que voilà, pour essayer de, de déjà plusieurs stratégies, et puis parce que c'est tellement agréable. Et ça prend ça prend quelques minutes. Voilà. Alors n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Euh, si vous, vous voyez, moi, c'est le solo, là, et c'est le basique, hein. c'est comme le jeu se joue, c'est tout simple. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Voilà, s'il y en a qui aiment battre son propre score, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, il y aura sûrement de toute façon des fan-made après euh, pour un automat. Hein. Ça, c'est euh, moi, je le vois bien avec un automa, Voilà, qui viennent prenne, prendre des tuiles et tout et qui marque des points. Voilà, donc ça, c'est faisable, c'est vraiment réalisable sur ce, sur ce jeu. Hein. Voilà, mais en attendant, vous pouvez faire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à le prendre, franchement. Je vous le conseille vivement. Si vous avez des questions, des avis, des réflexions sur le jeu, enfin tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, ben, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour, euh, pour autre chose. Voilà. Donc, je vous dis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut les amis.